Coucou, coucou mes amis, coucou la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Moi de mon côté ça va très très bien par la grâce de Dieu. Alors là je suis en route pour le boulot et aujourd'hui c'est le 1er mai, et dimanche le 1er mai. Et j'aimerais d'abord féliciter ou alors dire bonne fête de travail à tous ceux-là qui travaillent, à tous ceux-là qui ont un job, à tous ceux-là qui ont une activité, à tous ceux-là qui ont quelque chose dont ils font en fait de leur vie, de leur main, ok? Bonne fête de travail à vous et que Dieu bénisse votre boulot, que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains et qu'il puisse vous permettre de vous multiplier en fait dans ce que vous faites, qu'il multiplie ce que vos mains font, ok, qu'il multiplie ce que vos mains font et qu'il vous bénisse, ok les amis. Alors comme j'ai dit, je suis en route pour le boulot, mais je voulais aussi profiter juste dans cette petite vidéo pour déjà d'abord vous annoncer premièrement qu'il y a encore d'autres visas qui sont sortis. Nous avons encore eu par la grâce de Dieu en cette semaine des visas qui ont été approuvés, des personnes qui ont lancé leur procédure, des visas qui ont été approuvés. Il y a d'autres personnes qui sont encore en attente, nous sommes encore en attente pour leur visa, et, mais pour d'autres, ils ont déjà eu cela. Et il y a l'une d'entre nous même qui a eu son visa et qui est déjà arrivée ici, que j'ai accueillie il y a de cela quelques jours. Elle va se reconnaître, j'ai pas besoin de citer ton nom ma chérie, je t'ai pas demandé avant de faire cette vidéo, donc je vais pas citer ton nom. Alors, donc je venais également par cette vidéo dire merci, merci à tous ceux-là qui font confiance à Amandine Abba. Merci à vous qui faites confiance à ma personne, merci à vous qui, juste au travers de cette chaîne YouTube, vous lancez, vous faites votre procédure de visa, etc. Vraiment, je vous suis reconnaissante, pardonnez, c'est une confiance vraiment, je vais dire pardonnez. De nos jours, on n'en trouve pas, on n'en voit pas, on ne voit pas, ça ne coupe pas les rues, vous comprenez bien. Mais je dirais aussi que c'est une confiance méritée, ok, parce que par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu, lorsque vous décidez de me faire confiance, je peux vous assurer que vous faites confiance à la bonne personne, vous comprenez, vous faites confiance à la bonne personne. Ok, parce que je ne suis pas là pour arnaquer, je ne suis pas là pour prendre l'argent de quelqu'un et ne pas faire ce pourquoi j'ai pris son argent. Je ne suis pas là pour ça parce que, ayant été victime de ça, je sais ce que ça peut faire en fait. Je sais les douleurs que cela peut causer dans les cœurs. Okay, les amis. Donc, franchement, je ne suis pas là pour ça. Alors, comme je disais, donc, merci à vous. Merci à tous ceux qui ont mis leur confiance, qui ont eu leur visa et qui sont même déjà arrivés ici. Merci à ceux qui sont encore en route. Merci à ceux dont les visas sont sortis. Merci à ceux dont les visas sont encore en cours de procédure, etc. Les amis, de tout cœur, franchement, je voulais vous dire merci en ce jour. Parce que c'est mon travail. Vous avez décidé de faire confiance à mon travail. Et je crois pour ceux-là qui se sont lancés, ils ont compris que bon, voilà, c'est du sérieux. Ok, je suis sérieuse avec ce que je fais. Vous voyez, donc vraiment, je voulais vous dire du fond du cœur merci. Et je voulais également vous encourager. Ok, je voulais vous encourager que si vous voulez le faire, si vous voulez lancer votre procédure, allez-y, faites-le. Et vous savez, moi je ne suis pas là pour vous promettre la réussite ici au Bahreïn à 100%. Je vous ai toujours dit ça. Parce que si je vous dis qu'est-ce que vous arrivez, si vous allez réussir, coûte que vaille, ça veut dire que je prends la place de Dieu. Oh, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Dieu dans votre vie. Dieu est le seul maître de votre vie. Il est le seul qui décide. Qui a votre destin entre les mains, vous comprenez un peu. Mais je crois et je reste convaincue que si vous lancez votre procédure, vous avez votre visa, vous arrivez ici au Bahreïn, ça veut dire que ce n'est pas en vain. Parce que moi, je crois que Dieu est un Dieu qui achève tout ce qu'il commence. Il est un Dieu qui a un but. Donc, s'il permet que vous arriviez ici au Bahreïn, ok, ça veut dire que dans le destin de votre vie, il avait déjà prévu que vous allez arriver ici au Bahreïn. Ça veut dire qu'à un moment de votre vie, Dieu avait déjà écrit, il était déjà écrit que vous allez arriver ici. Moi, je suis juste celle par qui le Seigneur permet que cela s'accomplit dans votre vie. Je ne sais pas si vous comprenez, je suis juste celle, je peux même dire, je suis juste celle qui a ce privilège d'être celle dont Dieu met sur votre chemin afin de pouvoir accomplir cela dans votre vie. Mais sinon, c'était déjà écrit que vous allez arriver ici. Vous comprenez un peu. Donc,
Pour vous dire quoi? Pour vous dire que ce soit par moi, que ce soit par quelqu'un d'autre, si vous finissez par vous retrouver au baril, vous savez ce que Dieu avait déjà dit que vous allez vous retrouver ici. Et comme j'ai dit, Dieu est un Dieu de perfection. Lorsqu'il permet quelque chose, c'est parce qu'il voit déjà la fin. On dit, même pas quand on dit, la Bible dit que lui, il connaît la fin avant le commencement. Il est l'alpha et l'oméga, vous comprenez un peu. Donc s'il vous bénit, s'il permet ce que vous voulez, vous pouvez vous bénir ici. Comme je dis, que ce soit par moi ou que ce soit par quelqu'un d'autre, c'est justement parce qu'il a un plan pour vous. C'est placé parce qu'il a un plan pour votre destinée. Et c'est parce que sur cette terre du Barents-Sea, il veut certainement accomplir quelque chose dans votre vie. Vous comprenez un peu. Donc, je ne peux que vous encourager. Et si vous voulez le faire, allez-y, faites-le. Ok, faites-le et laissez le reste à Dieu. Et ma prière, et comme je dis toujours à ceux dont je parle pendant la vie, bon, ma prière, c'est que le Dieu qui a permis, le Dieu qui permet et le Dieu qui va permettre pour ceux qui vont arriver, que vous arrivez ici, qu'il vous bénisse. Ma prière, c'est que ce Dieu-là ouvre vos portes. Ma prière, c'est que ce Dieu-là permet à ce que les plans qu'il a pour vous sur cette terre du paraître puissent s'accomplir dans le puissant nom de Jésus. Parce qu'en réalité, les amis, vous devez savoir que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Amérique, en Europe, au Canada, peu importe où on est, on peut réussir si et seulement si on est dans le plan parfait de Dieu. Comprenez un peu. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand je prends même toujours, quand je pars toujours accueillir les gens à l'aéroport, en cours de route, je leur dis toujours ça. Que le Dieu qui t'a permis d'arriver ici, que le Dieu qui va te permettre d'arriver ici, que le Dieu qui te permet d'arriver ici puisse te bénir. Que cette terre du Barents te soit favorable. Que cette terre du Barents puisse te bénir. Vous comprenez? Donc, en fait, cette petite vidéo était juste pour vous dire merci. C'est la journée du travail, je voulais profiter pour dire merci à tous ceux-là qui me font confiance, merci à ceux-là qui m'ont fait confiance, merci vraiment, merci, merci de fond de cœur, merci. Et je vous assure que par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu, je ne vais pas vous décevoir et je ne serai pas là pour vous décevoir et je ne suis pas là pour vous décevoir. Ok les amis. Alors à tous ceux-là qui ont eu leur visa, félicitations. À tous ceux-là dont les visas sont sortis, félicitations. À tous ceux qui sont encore en train d'attendre la procédure, il n'y a pas de problème les amis. Continuez d'être patient, c'est qui est vous l'aurez et vous allez certainement immigrer. Ok la famille. Alors les amis, bientôt mes collègues, comme vous pouvez voir, je suis encore seulement de plus parce que nous sommes venus pour prendre mes collègues dans l'autre, à l'autre endroit où ils attendent. Donc bientôt ils vont entrer et il y aura tellement du bruit dans le car, dans le véhicule. Donc je vous dis donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt dans une autre vidéo la famille. Bye!